Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous amène un reportage. On va aller visiter une micro-ferme, la ferme Rongo, en agriculture biologique dans le sud de la France, le long du canal du Midi. Vous allez y découvrir notamment une méthode qu'on appelle le maraîchage bio-intensif, qu'on peut très bien d'ailleurs appliquer dans notre propre potager. C'est grandement inspiré par Jean-Martin Fortier. C'est un jardinier maraîcher. Je me souviens avoir lu son livre il y a bien des années. C'est un jardinier vraiment très inspirant, qui fait école un petit peu partout à travers le monde. Et donc, dans cette vidéo, dans ce reportage, vous allez pouvoir découvrir un petit peu cette méthode. Donc je m'attarde pas plus, je laisse place aux images et en avant donc pour cette nouvelle vidéo. Bonjour Marie-Alix. Bonjour Olivier. Merci beaucoup de nous accueillir à la ferme du Rongo. Je te laisse la présenter tout simplement. La ferme Rongo, on est une petite ferme maraîchère biodiversifiée. Donc sur le modèle Jean-Martin Fortier, donc beaucoup de diversité dans les cultures, très intensif, très serré. On est arrivé ici en 2016, mais sur ce terrain en 2018, on a le terrain qui est à côté tout en longueur. Donc ce jardin-là, on l'a démarré en 2018, formation un peu plus pro en 2020, parce qu'on n'était même pas jardinier au départ. Donc un BPREA maraîchage en 2020. Je vois Marina qui travaille derrière toi. Vous êtes combien à travailler sur la ferme et quelle superficie vous avez? Alors on a moins de 5000 m² de jardin et de mars à octobre, on est 3 au jardin tous les jours. Alors je vois que Marina passe la grelinette, c'est l'occasion d'aborder la première thématique, le sol, le travail de sol. Est-ce que tu peux nous en dire beaucoup plus sur ce sol? Comment tu le juges? Est-ce qu'il est bon, pas bon? Et comment tu en prends soin? Comment aussi tu l'enrichis? Ici, on est sur des sols qui sont calcaires, très très calcaires, donc avec un pH basique. Donc c'est très particulier. C'est-à-dire qu'on a un sol qui est blanc, qui est un peu crayeux, qui est très pauvre. Et puis ça crée beaucoup de blocage dans tout ce qui est minéraux, assimilation des minéraux et tout. Et c'est un sol qui a un peu tendance à être aride. Si on regarde le paysage autour, on a un peu ces limites de la garrigue. Donc c'est vraiment assez pauvre. Ici avant c'était des vignes partout, c'est des terres à vignes. Donc c'est des terres aussi qui sont très pauvres. En général caillouteuses, nous on a de la chance, c'est pas trop caillouteux. Et en fait ici on est sur quelque chose de limoneux, un peu sableux et un peu argileux, mais c'est une argile de calcaire. Donc c'est pas des bonnes argiles qui vont bien retenir les éléments nutritifs, c'est juste un truc qui colle. Donc voilà. Tu me fais rire parce que je pense qu'on a un petit peu le même sol. Je l'ai souvent partagé sur la chaîne. Sûrement, parce que dans le coin, on est sur des sous-sols calcaires. Ouais. C'est un ancien océan très très vieux avec c'est des coquilles. Nous, on a des coquilles d'huîtres comme ça, ici dans le sol. Donc. Malgré ça, j'ai quand même l'impression que vous avez des beaux résultats. Tu me disais que vous allez être le fournisseur des halles de Béziers. Qui est quand même, On va avoir un stand aux halles de Béziers où on va pouvoir ramener vraiment toute la récolte du jardin quotidiennement avec des légumes hyper frais. Du coup, ce sol, donc, comment, malgré le pH, la texture pas forcément idéale, comment tu arrives à le rendre fertile? Beaucoup le nourrir et beaucoup le protéger. C'est-à-dire? Pour le nourrir, tout est bon. Tout ce qu'on peut ramener. Matière organique. Voilà, toute la matière organique qu'on peut ramener. Nous, au démarrage de ce jardin, on ne se pose pas la question. Vraiment, on ramène du fumier, du compost, des restes de culture, tout ce qu'on peut ramener. De toute façon, le sol est tellement pauvre qu'au départ, on ne se pose pas de questions. Et puis après, au fur et à mesure des années, quand même, on tient compte de ce qu'on apporte en azote, en potasse, etc. Mais vraiment, au départ, on ramène des brouettes et puis voilà quoi. Ouais, c'est un petit peu l'école sol vivant, Jean-Martin Fortier, apporter un maximum de matière organique pour relancer le sol. Alors sur le compost, c'est vrai qu'il y a plusieurs écoles. Et nous, on pêche un peu là où ça nous intéresse. Mais Fortier travaille vraiment qu'avec du compost bien mûr, du compost de déchets verts en fait, qui est déjà bien mûr ou qui est exempt de mauvaises herbes. Parce que la méthode Fortier, c'est quand même très propre. Et donc on ne veut pas avoir des mauvaises herbes de partout. La méthode sol vivant, on ne vient pas travailler le sol. Donc en fait, Fortier, il travaille le sol, mais on ne le retourne pas, on le travaille en surface. Et nous, on aime bien aussi l'agroécologie qui va travailler sur le compost, mais plus profondément, quoi. Parce qu'on se rend compte que juste amener du compost de déchets verts et après fertiliser avec de la ferti bio du commerce, ça ne nous va pas. Ça suffit pas, c'est pas assez vivant. Donc nous, on utilise aussi le compost, le fumier de nos volailles qu'on composte. Et comme ça nous permet de ramener quelque chose qui a été vraiment digéré par le sol et qui est encore vivant, quoi.
Et tu apportes parfois de la matière brute, non compostée, ce qu'on peut appeler du paillage grossier? Alors il y a certaines cultures qu'on va pailler avec du vieux foin ou de la vieille paille, mais en fait ça paraît pas, c'est quand même grand. Et on utilise surtout des paillages réutilisables en géotextile, parce que les paillages naturels en manutention, il nous faudrait des rondes-balleurs et des rondes-balleurs. Et on est quand même dans une région où il n'y a pas beaucoup de foin pour nourrir les bêtes, donc le mettre au jardin, on trouve ça un peu... C'est cher et puis c'est dommage, et puis c'est beaucoup de manutention, et le moindre coup de vent, tout s'envole. Donc nous, on utilise plutôt des géotextiles réutilisables. Et concernant le travail de sol, je vois Marina donc à la Godinette, vous faites tout manuellement ou tu as des engins motorisés, de la motobinette pour... Alors nous, on n'a pas de tracteur, et puis d'ailleurs, on voit, il n'y a pas la place pour passer en tracteur. Donc l'itinéraire qu'on utilise, c'est on enlève la culture d'avant, on passe la grelinette, on met notre compost, on ramène, donc on a un micro-culteur avec une petite remorque. Voilà, donc c'est un peu un jouet quand même, hein, si on passe à côté d'un agriculteur avec son gros tracteur, bon, c'est le plus gros qu'on a pour transporter la matière. Donc on met nos 6 brouettes de compost, on vient mettre un peu de ferti. Donc on ne peut pas encore complètement se passer de la fertilisation. Alors, qu'on achète. Justement, pour essayer d'être le plus précis, ce sont des engrais organiques, c'est ça, en granulés? Oui, c'est ça, ça va être des engrais organiques en granulés. Assez équilibrés peut-être, azote, phosphore, potassium. Bah après, on trouve de tout en commerce. Okay. Donc nous, on s'adapte un petit peu à notre sol. Les premières années, on a mis des trucs très très azotés parce que le sol était très pauvre. Okay. Et puis maintenant, on va être sur quelque chose de plus modéré. Et puis surtout, on préfère le compléter avec notre compost de fumier de volaille, qui lui va être un petit peu azoté aussi. Quand on a les cultures d'été, là, les solanacées ou quoi, qui restent 8 mois au jardin, ils exportent, hein, c'est physique, hein, ils exportent énormément de matière. S'ils ne la trouvent pas, ils ne peuvent pas l'exporter. Et du coup, on a quand même, là, on a une plante tous les 30 ou 40 cm sur deux rangs, enfin, c'est énorme. La quantité qui est exportée, donc effectivement il faut nourrir, hein, c'est mathématique, c'est des soustractions, si ça y est pas dans le sol, ça peut pas y être dans les légumes. C'est un beau bébé quand même. Bah moi j'aime bien voir ça. Là tu vois, on a juste mis un coup de grelinette, donc on retourne pas les horizons. Ah, et en fait... Oui. C'est du couscous. Moi, j'aime bien voir la texture couscous comme ça. Tu l'expliques donc par la texture d'origine déjà? Non, non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, parce que la texture d'origine, je me fais gronder. C'est du plâtre, quoi. C'est donc vraiment. C'est par toutes vos pratiques, alors. Ben ça, alors c'est la matière que tu amènes dans le sol, c'est le noir. Plus ton sol il est noir, et plus il va être riche en matière organique. Mais après, toute cette texture là, vraiment couscous comme ça, très fine. Ça, nous, on sait pas le faire. Hein. C'est la vie du sol qui le fait. Hein. C'est les racines, avec toute la chimie qu'elles amènent, les bactéries qu'elles amènent, c'est les vers de terre, c'est tout ça. Donc ça, c'est vivant, quoi, c'est précieux. Donc ça, ici, le sol, il est magnifique dès qu'il est protégé, en fait. Et dès que tu vas le laisser sécher, tu vas te retrouver avec du plâtre. Qu'est-ce que tu entends par protéger? Bah, protéger, soit il y a des cultures dessus, soit il y a géotextile, soit il y a des mauvaises herbes, ça protège aussi. Soit nous, on met carrément des bâches d'ensilage noires pour protéger le sol quand il n'y a pas de culture dessus, entre deux cultures. Quoi. Pour ne pas le laisser exposer au vent, au soleil. Et là, par exemple, Marina, donc elle passe après quelle culture? Et bien là, il y avait les pastèques. Pastèques, ok. Pastèques et les melons, qui étaient donc sous géotextile, okay. Comme toutes les cultures d'été, bah, donc, comme à côté. Coup de grelinette, un peu de compost ensuite, hein, ou... Oui, c'est ça. Là, on va passer la grelinette. On incorpore du compost et en fait, on va venir passer un motoculteur avec une hercétrie qui va juste tourner en surface comme ça pour faire une surface vraiment lisse, prête pour les plantations et les semis. Ok. Du coup, tu chamboules pas les strates de sol. C'est vraiment la méthode Fortier. Ouais. On passe la grelinette sur un maximum 20 cm. On retourne pas. Et après, on vient faire un lit de semences en surface avec un motoculteur et une hercétrie. Du coup, c'est quoi l'intérêt de passer la grelinette? Parce que ça, moi, le motoculteur, c'est quelque chose que j'ai pas. C'est quoi alors la succession des outils? Comment tu l'expliques? La grelinette, c'est vraiment pour venir décompacter en profondeur. D'accord. Et c'est vrai qu'on pourrait s'en passer de le faire à chaque fois, mais nous, c'est vraiment qu'on a un sol qui compacte. On a un sol limoneux qui a tendance à vraiment resserrer, donc à chaque fois, on le fait. On vient passer la grelinette pour décompacter en profondeur. Et après, on va juste venir lisser la surface et la faire très fine, juste en surface. Donc, on ne retourne pas les horizons.
Alors par ici, je vois des planches qui sont bien propres. Et là, moi, dans ces cas-là, je pense au désherbage. Parce que ouais. Je sais pas toi, mais moi, ça me prend un certain temps. Sitôt qu'il pleut, ouais. En plus, qu'il y a de l'humidité. Puis là, c'est arrosé par aspersion. Là, c'est arrosé par aspersion. Ouais. Okay. Ouais. Comment tu gères les adventices, les herbes indésirables? Alors, tu vois, nous, on cohabite. Tu as un peu la frontière, là. Donc là, le passe-pied, c'est plein de chiens-dents. Tout ça, c'est du chien-dent. Donc il n'a pas le droit de venir dans le jardin. Bon, il ne le sait pas, donc il vient. Donc quand on prépare une planche, là on vient de le faire, donc c'est propre. Quand on prépare une planche, il y a des choses qu'on va juste désherber comme ça, par le travail, ça va être coupé. Et puis il y a des choses comme le chien-dent qu'on ne veut pas du tout dans le jardin, donc on va venir avec une poubelle. Et vraiment après la grelinette, là on va l'enlever à la main. On va essayer d'enlever un maximum de chien-dent, liseron. On a du sorgho d'Alep aussi qui fait des grosses racines. Donc ça, on essaye vraiment de venir l'enlever, c'est à la main. Hein. Petit à petit, on va avoir un jardin de plus en plus propre, mais c'est manuel. Quand on peut, des cultures, là, c'est pas assez espacé. Mais nous, on met des bâches. Des bâches géotextiles. Des bâches réutilisables, voilà. Donc ça va occulter le sol, ça va faire qu'il y a moins d'herbes. Pas qu'il n'y en a pas, mais il y en a moins. Et au niveau de l'entretien, pour des cultures comme ça où il n'y a pas de bâches, la méthode, c'est vraiment passer très tôt avec des petits outils pour éviter d'avoir à arracher à la main, parce que là, ça devient très, très chronophage. Oui. Et d'occulter dès qu'il n'y a pas de culture. Comme ça? Ouais. Ah ouais, génial. Et tu passes entre les rangs? Ouais. Et tu peux faire aussi dans l'autre sens après, pour quadriller. Ouais, d'accord. Comme ça. C'est ça? Ouais. Et tu le fais tous les 15 jours, 3 semaines? Ouais. S'il y a une pression? Ah, surtout en aspersion, ça pousse vite. Hein. Pareil, va et vient. Tu peux juste le passer tout droit et puis après, si tu as besoin d'insister, tu vois, tu vas faire des va-et-vient, mais. C'était le premier critère pour le terrain, c'était d'avoir accès à l'eau, parce qu'on sait que sans eau, on ne peut rien faire. Donc on a un forage. Là, sous les géotextiles, il y a 4 lignes de goutte à goutte, pour être sûr que... Parce qu'on ne peut plus y accéder pendant toute la saison, donc pour être sûr que s'il y a une fuite ou quoi, on peut couper une ligne, il y en a toujours d'autres qui fonctionnent. 4 lignes par ouais. Planche. Par planche. Ouais, donc resserré de, ouais. De 15-20 cm. Bah, donc là, on a du goutte à goutte sous le géotextile, donc ça va vraiment venir arroser très localement et ça ne va pas trop ah, s'évaporer. Donc ça reste en place. Et après, on a des arrivées pour l'aspersion, toutes les 3-4 planches. Pour les cultures qui ont besoin d'aspersion. Et du coup, quelles sont ces cultures alors? Voilà. Là, nous, on appelle ça une génération de racines verdure. C'est-à-dire qu'on lance à chaque fois plusieurs planches de cultures différentes, mais qu'on va faire un peu de la même façon. Bon, les espacements, ça peut varier d'une planche à l'autre, mais en gros, on travaille le sol en même temps, on va les implanter, les arroser pareil et les récolter à peu près à la même période. Ceux qui ne l'apprécient pas trop, ça va être les cultures fruits alors? Ouais, ça va être toutes les solanacées. On n'aime pas venir mouiller les feuilles pour éviter de favoriser les maladies. Donc là, alors c'est moyennement vrai, parce qu'en vrai, quand il fait très chaud, voilà. Finalement, ça serait quand même bien d'avoir une possibilité d'aspersion, même pour les cucurbitacées qui ont beaucoup d'oïdium. En fait, c'est favorisé par la chaleur. Donc voilà, finalement, ça serait pas mal d'avoir les deux tout le temps, mais ça demanderait un double, oui, système. Un double système. Petit à petit, ça viendra, mais c'est un gros travail, Lyric. Et niveau aspersion, tu as différentes hauteurs, c'est ça? Je vois que tu as des petits sprinklers et d'autres plus en hauteur. Ben, on galère, on galère. Donc en fait, on a ça qui est censé faire un super truc, mais on se rend compte que quand il fait très chaud et qu'on fait des plantations ou des semis, c'est pas parfait. Donc du coup, on rajoute des petits qui vont venir vraiment couvrir toute la surface, parce qu'au moment où tu plantes ou tu sèmes, si tu as une zone qui est sèche, ben ça meurt, quoi. Donc le temps qu'il fasse un peu des racines, on met ça. Donc on va les promener un peu partout à chaque fois qu'on va planter. On est ici sur les carottes, les choux. Je vois que tu as des tunnels de protection. C'est l'occasion de parler des maladies, des ravageurs. Ouais. Comment tu arrives à les gérer? Est-ce que tu arrives à les gérer avec cette approche biologique? Oui, on paye l'impôt biodiversité parce qu'on s'en fait toujours manger. Hein. Mais on gère. En fait, on fait avec. On éradique personne et on essaye de faire avec. Donc on sait que sur les choux, on se les fait beaucoup manger. Donc on essaye de mettre des voiles anti-insectes. Pour protéger, mais enfin, s'ils arrivent quand même à passer en dessous,
Là, on a une belle pierride, une belle chenille. Le chou, il y a tout le monde. Hein. Oui. Voilà, les petites chenilles de papillons qui viennent pondre dedans. Et après, quand on doit traiter, souvent, on ne prend même pas la décision de traiter parce que les dégâts sont trop importants. Le coût du traitement, ça ne vaut pas le coup. Tu acceptes les pertes? Ouais. Alors, on est ici dans la serre, ouais, devant des plants de tomates cerises qui me font légèrement envie, sachant que chez moi, bah, ils sont éradiqués par les ravageurs. Qu'est-ce que tu as à nous dire sur cette culture de tomates? Tu l'as fait sous serre? Ouais, on l'a fait sous serre parce qu'on peut mieux la tuteurer. Et la tomate cerise, c'est beaucoup de travail à la récolte. C'est long, donc plus c'est groupé et mieux c'est. On a choisi des pieds qui sont greffés pour donner beaucoup et des variétés qui sont quand même assez résistantes. Le fait qu'elle soit sous serre, elle n'a pas trop chaud l'été? La serre, on la peint. D'accord. On la peint l'été. En fait, c'est un outil de protection des cultures qui est valable en été aussi. Parce que du coup, on peut casser un peu les rayons du soleil. Du coup, et donc, de plus en plus, on essaie de protéger les cultures, en fait. Du coup, en fait, elles ont peut-être moins même chaud. Moins chaud sous elles serre. Je vois que tu as quand même un effeuillage sur le bas. Oui. Mais c'est quand même à la fois assez fouillis. Tu as quelle gestion? Fouillis, ouais. Tu as quelle gestion au niveau de la taille? Alors là, on est en fin de saison, où on va prioriser nos cultures d'automne et du coup un petit peu lâcher sur les cultures d'été parce que en plus ça mûrit beaucoup moins vite et tout, donc on lâche un petit peu là-dessus, donc on a laissé un peu plus de feuilles et tout. Mais en fait, nous, on vient tailler nos tomates pour avoir une seule tige qu'on va tuteurer à l'aide d'une ficelle accrochée à hauteur. Et au fur et à mesure qu'elle pousse, on va essayer que ça soit bien effeuillé en bas pour que ça ventile. C'est ça l'essentiel, c'est qu'il n'y ait pas ces conditions chaudes et humides mais qui est une condition bien ventilée. Et donc on effeuille et on vient dérouler la ficelle et coucher un peu plus les plants au fur et à mesure que la plante elle pousse. Et tu as le temps, tu essaies de faire ta propre semence quand même? Parce que je sais que sur les tomates, c'est presque un métier à part, ouais. Uniquement sur les on tomates. On fait que sur les tomates parce qu'on veut les adapter. C'est génial, on voit vraiment les effets. C'est vrai? Ah ouais. Ça fait plaisir à entendre parce que des fois je doute de l'adaptabilité rapide des semences. Moi aussi je doutais. Mais vraiment non. Souvent des témoignages qui vont en ce sens. Ouais. Ouais. Même à chaque fois qu'on se faisait la réflexion, tiens, celles-ci elles sont pas jolies, celles-ci elles sont plus malades, celles-ci elles fendent plus au niveau de la peau. Et ben à chaque fois, c'est les variétés qu'on a achetées cette année qui sont pas encore adaptées. La fraiserie, tu penses la maintenir sur place combien de temps? Alors, on a longtemps réfléchi et on a suivi les conseils de Sylvain Couder, qui est un formateur aussi en méthode Jean-Martin Fortier en France et qui est très compétent. Et du coup, on va faire comme lui, c'est-à-dire qu'on l'a fait comme les légumes. En fait, elle va rester uniquement quelques mois et on va faire une autre culture derrière cet été. Ah ouais, c'est vachement intéressant. C'est-à-dire que tu gères les fraisiers comme une culture annuelle. Ouais, comme ça nous évite d'avoir de l'entretien à faire. À l'automne, l'hiver, etc. Même pas une deuxième année? Non. Et c'est des fraisiers non remontants. Parce qu'en fait, le gros problème dans la fraise, alors quand on a son jardin, on ne se pose pas la question, mais pour nous, maraîchers, c'est le temps de récolte. Et du coup, on veut qu'elle donne beaucoup, sur pas longtemps, pour qu'on puisse se donner la peine de récolter de la jolie fraise pour nos clients et d'en avoir suffisamment. Parce que si on a trois barquettes, ça va se battre, c'est pas bien. Et donc pour optimiser un peu le truc, on a pris cette option-là. Aussi, on a beaucoup de maladies en août sur les fraisiers et du coup, on n'a plus de la fraise de qualité, quoi. C'est très dur de diagnostiquer quand on a quelque chose qui se passe entre les carences, les maladies, les stress, les ravageurs. Surtout que quand tu le vois, presque c'est trop tard, quoi. Oui. Donc il faudrait vraiment... Fortier, il passe dans ses jardins tous les jours, pas juste à côté. Il vient voir les plantes et je pense que quand tu as un œil vraiment pro, mais bon, peut-être au bout de 20 ans, tu vois. Tout de suite, tu vas dire, allez hop, il y a un problème, il faut faire ça. Mais on est encore, on tâtonne encore un peu, ouais. Alors moi, j'ai toujours cru à, tu sais, une autorégulation qu'on entend d'ailleurs beaucoup, qu'au bout d'un certain temps, bon, tout l'écosystème se met en place, mais... Oui, mais est-ce qu'il se met en place pour que tu puisses manger des fraises? Et ça c'est pas sûr. Oui, je crois que, bon, il faut un petit peu d'intervention et de prévention, mais toujours pareil, c'est question d'équilibre, de nuance. Oui, c'est ça. C'est ça. Ben, en fait, il faut arriver à comprendre qu'est-ce qui se joue, quelles sont les choses en jeu, parce que c'est vivant, parce que il y a plein de choses en jeu, quoi. Il y a le climat, toi tu veux une plante en bonne santé, qu'est-ce qui joue sur sa santé? C'est comme nous, il y a plein de choses qui jouent sur sa santé. Et l'essentiel, c'est quand même ce qui se passe dans le sol, et dans le sol, on ne peut pas y être.
Donc on essaie de deviner en gros ce qui se passe dans le sol. En gros, c'est ça. Parce qu'après, à l'extérieur, si la plante a des bonnes racines, elle peut résister à plein de trucs, s'adapter. Ça se débrouille un peu. Même au niveau des ravageurs. En général, tu as des ravageurs sur des plants qui ne vont pas bien. Ce n'est pas la règle à 100%, mais quand même. Et là, tu es sur quel itinéraire ? Tu as fait un semis début d'été ? Ouais, alors la carotte, c'est compliqué la carotte ici. Parce que les semis d'été, on lutte contre la chaleur. Ouais. On a un sol battant, limoneux, battant, qui fait de la croûte. Donc on essaye d'arroser suffisamment pour pas que c'est le temps de faire de la croûte. Donc en plein été, voilà. Sans noyer les graines et les faire pourrir. Donc on cherche un juste milieu. Et du coup, on avait fait 4 planches de 3 variétés différentes. Et on n'en a que 2 qui sont bienvenues. Et là, ça n'a pas marché. Est-ce que c'est la variété ? Est-ce que c'est... On ne sait pas trop. Et donc finalement, les plus rustiques ont mieux marché. Donc la jaune et puis là, c'est de la orange. Et quand ça marche, c'est génial. Et puis quand ça ne marche pas, ben, c'est zéro. Voilà. Et tu es toujours sur les mêmes procédés culturaux ? La carotte, c'est très spécial. On est obligé de s'y prendre vraiment à l'avance parce qu'on va bâcher comme ça avant pour faire un faux semis. Pour vraiment faire germer, on va travailler le sol comme si on allait semer, sauf qu'on ne va pas semer. On va occulter pour faire germer les graines en dormance et qu'elles meurent. C'est méchant, okay. Qu'elles meurent sous la bâche. Ouais, c'est le faux semis. Voilà, faux semis. Et du coup, après, on débâche et on vient semer nos carottes. Et tout de suite, on couvre avec le filet anti-insectes. Mais on lutte un peu entre le filet anti-insectes qui bloque un peu l'irrigation. Donc, on essaye de jongler un peu pour avoir une bonne levée du semis, quoi. C'est, la difficulté, c'est ça. Au printemps, il n'y a pas de problème. Filet anti-insectes, c'est parce que tu as des ravageurs ? C'est contre la mouche de la carotte, c'est contre... pour avoir des belles carottes, quoi. Sinon, si on a des carottes véreuses, ça va être compliqué. Donc vraiment, c'est une culture qu'on veut protéger, mais déjà, on veut que ça germe, quoi. Et tu dis qu'au printemps, c'est plus facile. Tu as des itinéraires plus précoces aussi, alors ? Oui, c'est ça. Mais la carotte, on peut en faire, en fait, de mars jusqu'à juillet, on peut les semer. Ok. Donc nous, on fait des successions comme ça de génération. En général, en mars, il n'y a pas de souci, ça lève bien. On a une petite aspersion et puis ça se passe très bien. Du coup, on les récolte vers le mois de juin. Et puis par contre, les dernières, pour essayer d'en avoir à l'automne, c'est ça le problème, on aimerait bien avoir de la belle carotte à l'automne. Là, on a un peu plus de mal avec la chaleur. On est obligé de semer en été. Je te dire que moi aussi, j'en ai loupé. Passe pas arriver à maintenir le sol humide. Ouais. Quoi. Ouais, c'est ça. Et ça croûte. Et une fois que ça a croûté, ben, c'est foutu. Magnifique. C'est des choux chinois, c'est ça ? C'est des choux chinois, ouais. Ah. Alors, le problème des choux, c'est qu'on les plante en août et que du coup, on a une grosse perte à la plantation. Donc, on a beaucoup de trous. Parce que c'est la chaleur, non ? Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça, c'est vraiment la période difficile ici. C'est 15 juillet, 15 août. Mais bon, ceux qui prennent sont magnifiques. Ceux qui prennent, ça va. Mais c'est au début, ils sont en danger et après... Du coup, tu es obligé de les planter, c'est ça, en plein été pour, évidemment, pour récolter. Sinon, on plante maintenant, après les grosses chaleurs, donc fin septembre, quoi. Et on les a plutôt en mars, quoi. Pas avant. Ouais, bien merci beaucoup Marie-Alix. Merci Olivier d'être venu dans notre jardin. C'était avec plaisir, encore un témoignage de concret de jardinage, de maraîchage, toujours très riche d'enseignements. Merci beaucoup. Merci à toi.